Avec monsieur. Monsieur Kondé Moussa Mariam, chef contrôleur de sortie rentrée de cour. Monsieur Kondé Mariam, aujourd'hui. Kondé Moussa Mariam. Kondé Moussa Mariam. Aujourd'hui, nous avons vu l'arrivée de madame Makalé Traoré, acclamée au sein de la Sotragui. Pourtant, dans un passé récent, c'était elle qui semblerait être le problème au sein de la Sotragui. Qu'est-ce qu'enfin les travailleurs ont découvert? Enfin, la vérité a été découverte. La vérité est découverte. Hein? Enfin, la vérité est découverte. D'après un premier départ, on a fait comprendre aux travailleurs que l'obstacle de la Sotragui et que c'est le docteur Makalé. Mais c'est maintenant qu'on a su effectivement que tout le problème, c'est M. Boukachidé, le directeur général de la Sotragui. Il est, actuellement, il est à son bureau avec le conseil de l'administration. Quel bureau? Dans la salle des réunions, justement. La salle des réunions, nous venons de là-bas, nous n'avons pas vu M. Boukar Sidibé. Pardon? Nous n'avons pas vu M. Boukar Sidibé. C'est lui qui était juste à la porte, là, tout de suite, là, à sensibiliser. Et qu'est-ce que vous reprochez à Boukar Sidibé? La mauvaise gestion financière. Exactement. La mauvaise gestion financière. Au sein de la Sotragui, il y a combien de minibus? Il y a combien de bus? Au sein de la Sotragui, pour un départ, on a été doté de 100 bus, Tinglong. Mais au jour d'aujourd'hui, actuellement, je vous dis, même aujourd'hui, difficilement, que j'ai pu sortir 20 bus. Alors là, c'est le 18e, le 19e et le 20e bus qui viennent à peine de sortir. Les bus qui devraient sortir depuis 6 heures. Malgré la subvention que l'État octroie à la Sotragui, 1 milliard mensuellement, soit 3 milliards sur un trimestre, les bus de la Sotragui sont sur cale. Qu'est-ce qui explique généralement ces pannes-là? C'est des pannes sèches dues au carburant ou bien à une mauvaise gestion? Monsieur, il y a ces pannes, on ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, il y a deux bus qui ont été immobilisés pour cause d'huile, cause d'appoint d'huile. Et alors, la mauvaise décision que la direction a prise par rapport à la commande des achats des pièces de rechange, et c'est ce qui reflète aujourd'hui la gestion des bus aujourd'hui dans la cour. Tous les bus sont sur cale. Vous allez visiter tout de suite la cour. Vous verrez, il y a une partie où on appelle cimetière. On envoie un bus là-bas, c'est pour ne plus le récupérer. Au moins emploie 4 personnes. Au départ, c'était un bus. Bon, quelle est la situation de ceux qui travaillent dans ce bus? Oui, justement, la planification, le service de planification continue de faire ce bus. Et effectivement, le panneau de 4, c'est 3. 3 sur 3 qui travaillent dans un bus. Un contrôleur. Nous sommes avec madame. Nous sommes avec madame. Allez derrière là-bas. Nous sommes avec madame. C'est madame Traoré, tu viens de Diaka, qu'on est première conductrice à la Sotragui. Oui, première conductrice à la Sotragui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Sotragui, madame? Ce matin, on a vu, comment dirais-je, madame Makalé et ses compagnons qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui à la Sotragui. Donc, on est là, on a vu aussi les anciens syndicats qui sont révoltés pour rentrer, assister, comment dirais-je, à la réunion. Les travailleurs aussi ont refusé que personne ne rentre. On va laisser maintenant les cadres qui vont se voir là-bas. Qu'est-ce que vous reprochez au directeur M. Boukar Sidibé? M. Boukar Sidibé, vraiment, il ne peut pas faire la solution de la Sotragui, il ne peut pas faire l'affaire de la Sotragui. On veut son départ. Mais comme pour le moment, on n'a pas vraiment qu'est-ce qu'il faut. Le président nous a dit de travailler, donc on travaille. Mais vraiment, on veut son départ. Il ne peut pas faire l'affaire de la Sotragui. Ça fait 3 mois qu'on ne vous a pas payé. Cela était dû à sa faute? Oui, cela était dû à sa faute. Mauvaise gérance. Parce qu'il ne peut pas vraiment, ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Madame, dites-nous, vous êtes la seule conductrice de car là au sein de la Sotragui? Oui, je suis la seule conductrice. Vous avez un statut particulier? Oui, j'ai même fait ma remise ici depuis le 11 mai 2015. J'ai fait la remise. Je suis sur le réseau à l'heure là. Mais pour le moment, je me réserve parce que je veux que les blancs viennent pour que je puisse m'exercer très bien. Parce que je ne peux pas m'exercer à l'heure là parce que vraiment on n'a pas de bon cadre. On n'a pas de bon directeur. Merci bien madame. Merci monsieur. C'est vous qui êtes allé une fois.
Nous sommes, c'est toujours au sein de la Sotragi. Non, 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 mais mon frère, oui. Je suis la présidente des femmes de la Sotragi. Oui. Moi, je suis un homme.